La route a été longue entre Montréal et Baie-Saint-Paul en ce vendredi 17 février 2023. Il a neigé presque toute la journée. Les vents étaient forts également, si bien que j'ai croisé quelques camions-remorques qui se sont retrouvés dans le fossé. Et même qu'à un certain moment, autour de Lévis, la 20 a été fermée pendant presque 50 minutes. Alors, ça m'a pris près de 6 heures pour me rendre à destination. Et là, je me prépare à me coucher parce que demain, je me lève tôt, à 4h15, parce que je dois photographier le départ d'une compétition de ski de fond qui va se donner à la petite rivière Saint-François. Et ça, c'est dans le cadre de la grande virée nordique de Charlevoix, et j'ai été invité à y participer à titre de photographe. Alors, on regarde ensemble dans les prochaines secondes en quoi consiste ou consistera ma journée de samedi. h 24, moins 18 degrés. Je suis un petit peu en retard de 8 minutes sur l'horaire que j'avais prévu. Alors, c'est un départ. Alors, on est à quelques minutes du départ de la première sortie de ski de fond. C'est la randonnée de 60 km. Ça va se faire à 6 heures, donc dans quelques minutes. Et je me suis positionné ici pour photographier les premiers participants. La lumière est un peu basse. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais la journée s'annonce magnifique par contre. C'est elle qui a fait le feu. C'est bon ça. J'ai donné la permission. Merci pour le feu. Pour les coureurs qui ont terminé, je vous invite à vous avancer vers l'arrière un petit peu, que ça te permette l'arrivée donc des autres. Pour dégager le passage un petit peu. Bon, alors en ce dimanche 19 février 2023, alors que la voiture se réchauffe un peu, je vais en profiter pour vous résumer ma journée d'hier, qui était quand même aussi intéressante qu'occupée et éreintante. J'étais debout à 4h15, j'ai quitté ici les lieux vers 5h15, je suis arrivé à Petite-Rivière-Saint-François à 6h moins quart ou autour. Le départ devait se donner vers 6h15, 6h30. Finalement, le départ de la compétition de ski de fond, là. Et finalement, ça a été retardé. L'autobus qui amenait les skieurs s'est trompé de chemin. Alors, tout a démarré un peu plus tard. Alors, moi, je suis sur place, à la noirceur, au froid. Et je me demande, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Est-ce que la compétition a été annulée? C'est des questions qui me sont passées par la tête pendant un bon moment, mais finalement, quand j'ai vu l'autobus arriver, ça m'a rassuré. Et le soleil s'est levé, les paysages étaient magnifiques. Vous allez voir certainement quelques photos. Et finalement, ça a été une journée qui a roulé sur un train d'enfer. Donc, le départ de, j'ai dit compétition, mais c'est plus des randonnées sportives, amicales. Alors, il y avait un départ de 60 km autour de 6h30 le matin,
à Petite-Rivière-Saint-François. Il y avait un deuxième départ de 43 km, celui-là, à Baie-Saint-Paul, à côté de l'hôtel Germain. Et il y avait finalement un troisième départ de 30 km à Cap-aux-Oies. Alors, tous ces gens-là, évidemment, empruntaient le même circuit pour arriver en bout de course à la Malbaie, au Café de la Gare. Et là, il ventait, il y avait des bourrasques de neige, il y avait du soleil, il y avait beaucoup d'atmosphère aussi, et surtout, il y avait que des visages heureux. Quand on vient de faire presque une journée entière de ski de fond sur le bord du fleuve, à Charlevoix, au froid, je pense qu'il y a certainement une fatigue qu'on ressent, mais il y a également une grande satisfaction et un grand bonheur à partager avec les amis et, dans certains cas, la famille qui attendait les participants. Alors, ce matin, ben, je repars. Là, c'est un peu plus raisonnable comme horaire. Je pars, il est autour de 9h. Je dois être à Cap-aux-Oies à 9h45. Et c'est la même chose, un départ de randonnée en ski de fond le long du fleuve avec une température pas mal plus belle, pas mal plus confortable aussi. C'était bien hier, mais parfois nuageux, venteux et froid. Aujourd'hui, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de vent et c'est moins 5, moins 6 degrés, donc ça devrait être parfait. Et ça se termine à la Malbaie aussi. Alors, on regarde ça ensemble. Tournez à gauche, se rend de Cap-aux-Oies. Vous allez faire, vous allez sûrement arriver premier si vous n'allez pas. C'est ça. Oui, pour se faire tirer. On va te traîner pour les trois. Comment? On va te traîner. Les trois de même. C'est une bière qui a déjà rendu à ma bouche. Ah ouais, C'est Judith Richard de Lac-Beauport qui est en approche. Oh! Il la connaît, là, son suivi du 251, ah, bon, Clémence Farrand de Lac-Beauport. Pour moi, ça va être Charles plus que Clémence. Bravo, Charles! Dimanche, je quitte Baie-Saint-Paul en direction de Montréal, de la Chine pour être plus précis. Et c'est comme ça que se termine mon magnifique week-end dans la région de Charlevoix. Je dis bien la région parce que j'ai été à Petite-Rivière-Saint-François, Baie-Saint-Paul, Saint-Irénée et même la Malbaie. Même si c'est un week-end entre guillemets de travail parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai été occupé les deux journées entières à faire de la photo. Ça a quand même été une belle fin de semaine. J'en reviens détendu. Ça a été une pause avec ma routine à Montréal. Et j'ai rencontré des gens fort intéressants, des bénévoles généreux et des participants débordants d'énergie, d'enthousiasme et en forme aussi. Alors, j'en fais un bilan très positif. Je suis très content de mon week-end. J'espère peut-être répéter l'expérience l'an prochain.